Salut à tous, c'est Tania et on se retrouve pour le troisième épisode sur Pokémémo, le jeu Pokémon Rouge en ligne. Donc on va commencer. Je vous rappelle que la dernière fois on était entré un peu dans le Mont Salinite. Hein, si on regarde sur la carte, on était allé dans. Oh, c'est le Cerulean Cave. Ah bon? Bon, on, donc cet épisode on va finir. On va traverser cette grotte. Hein. Est-ce qu'on y était entré en fait? Oui, il me semble que oui. Je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est quand il va y avoir des Zubats, je me souviens plus le nom en français. Je vais fuir. Ah non, on n'était pas entré là, je crois. À moins qu'on ait fait juste un combat. Ou en fait, on n'avait pas fait des combats. Je me souviens plus. Bref. C'est pas grave. Donc, même si on n'était pas entré, on va quand même finir. On va quand même traverser le Mont Sélénite. Et arriver à la ville suivante. Je sais pas si vous avez vu la coupure. Hein? Ah, ça c'est mon chien qui pleure parce qu'on l'a un peu chicané. Il a fait quelque chose de pas bien. Ah, j'avais oublié que. Ouais, bon, bref. J'avais oublié que mon furosinge n'était pas très fort face au Pokémon insecte. Je suis même pas sûre qu'il va survivre. Ah, il va survivre, mais. Ouais, le prochain tour, il va mourir. Et je vais rien faire pour l'en empêcher. Je sais, c'est cruel. Et voilà, il est KO. Donc, on va envoyer mon petit Wushfruit pour le faire. Hopper. Donc, je vais vous mettre ce petit combat en avance rapide s'il est trop long parce que je sens que ça va être long en fait. Ouais, toc contre armure, ça va être long. Donc, oui, avance rapide. Bien, grâce à ma chance de la mort qui tue, on a eu un coup critique avec notre petit Hoothoot et on est monté niveau 9. Donc ça c'est tout très bien. Hein. C'est tout bien. Et un Paralyze Hill. Eh bien, on va faire le petit combat ici et on va aller faire soigner nos Pokémon. Si je me trompe pas, c'est contre un Mélophée. Je crois. Ouais. Ça va être dur. Piu. J'ai cru qu'il avait réussi son attaque de premier coup. Bon, un Pokémon en amour ici. Eh oui. Encore. C'est pas une bonne. D'après moi, j'aime pas encore en fait comme attaque. Ben, si ça vient de l'autre, ça me dérange pas trop. Mais si c'est moi qui l'ai, en fait, je l'utilise pas. Parce que ça fait juste l'autre utiliser une attaque qu'on ne connaît pas vraiment. Et si l'attaque, elle nous fait des coups, elle nous fait beaucoup de dégâts, ça peut être très néfaste. Mais ce que je me demande, j'ai pas encore vu ça, c'est si. Quand, mettons que Mélophée utilise encore après qu'on ait utilisé une potion, est-ce qu'on va devoir réutiliser une potion? Écrivez-moi le dans les commentaires ou bien je chercherai, mais. Ouais, non, c'est tellement spécifique que je sais pas trop. Ouf. Non, merci. J'ai pas trop envie de m'en battre contre les.
les sauvages, les Pokémon sauvages, du moins c'est les nets, parce que j'aime pas les Zubat. Je me souviens plus de leur nom français. Nosferapti, c'est ça. J'aime pas trop les Nosferapti. Puis les Racaillou, pas trop non plus. Ah, les Paras, par contre, j'aime bien, mais juste un Paras, pas un Parasect. Donc, je vais peut-être le battre juste pour monter niveau, mais. Ah, non, en fait, non, je vais juste pas le battre. J'ai réussi, ouais, non. Fun. Ah, quel texte. Eh bien. Ok, maintenant on va utiliser lui et on va s'enfuir ou on va pas s'enfuir. Oh, sérieux? J'aime pas ça, mais ouais, bon, bref. C'est pas grave, j'utilise Flamèche. Et voilà, t'es mort. Et pam! Ouais, aussi j'aime pas trop se battre les Pokémon sauvages parce que ça donne pas vraiment. Ça donne pas beaucoup d'XP par rapport aux compotes des dresseurs. Team Rocket Grunt aimerait se battre. Un Sabolette. Ouais, j'en ai envoyé mon Charmeleon. Ah, j'aime pas ça quand il baisse la QSI. Ah, pas pire, on l'a pas manqué, mais le prochain, je sens qu'on va le manquer. S'il te plaît, réussis. Phew! Mon instinct ne fonctionne pas bien, pardon. Niveau 10! C'est bien, Hoothoot. Donc, si on fait un résumé, dans notre équipe, on a un Pokémon Psy et Oiseau, mais Psy Vol, Combat et Feu. Feu Dragon. Feu Vol, plutôt. Pardon. Ben, en évolution et votre feu vol. Eh bien, c'est pas pire pour le moment. Ah non. Yeah, merci. Merci, Charlie Melon. Niveau 17, c'est bien. Et un ratata. Ah, on est paralysé. Mais en quoi Flamèche, ça demande de bouger? Oh, sérieux. On va-tu vraiment mourir contre un Rattata niveau 11? Ok, on va changer de Pokémon, hein? Go, Ferro-Singe! Et voilà. Est-ce qu'on monte de niveau? Oui. Ah non. Ah ben, je croyais que la barre était pleine. Bon ben, prochaine fois. Hein. Une antidote, ouais. Je vais aller faire soigner le Pokémon en fait. Oups. Parce que, ben, en fait, ils sont en train de mourir. Hein. Il y en a deux de paralysés. Alors, ouais, non. Ça va pas trop le faire. Et on repart pour le Mont Sélénite. Ouais, j'aime vraiment pas cette montagne-là. Ou cette cave-là, en tout cas.
Parce que. Bah, parce qu'on sait pas trop quand on va se faire attaquer en fait. Et j'aime pas ça, pas savoir quand je vais me faire attaquer. Parce qu'au moins dans les hautes herbes, on peut savoir que, bah, que ça va être possible bah, qu'on se fasse attaquer dans les hautes herbes, mais là c'est tout le temps. Donc, désolé de cette petite coupure, et on reprend, j'avais fini le combat en off. Donc on a un petit combat ici. On fait monter notre outwit de niveau. Est-ce que c'est faisable? Je me souviens plus. Non, je crois pas, on va pas tenter. Hein. Est-ce que c'est efficace? On sait un peu. Oui, d'accord. Ah non. Ah, ok, on va utiliser lui alors. Pour le terminer. Phew. Phew. Eh bien. Et voilà, d'après moi, est-ce qu'il monte de niveau? Non, il monte pas de niveau. Mais notre monkey a monté niveau 13. Balayage. Un coup critique en plus. Eh bien, un one shot. Ah, on a pris pic-pic. Et on a gagné 176 Pokémon de l'or. Une potion, on a trouvé une potion. Et ici, on a trouvé un bonbon. Ouais, un bonbon. Un super bonbon, c'est ça. Sérieux. Voilà. 61 points, c'est pour ça un peu que j'évite les Pokémon sauvages, c'est parce que ils donnent pas beaucoup d'expérience, et puis c'est pas très rentable. Parce que bon, là j'ai de la chance, j'ai pas perdu de PV. Mais normalement, on part comme. Ah, j'ai perdu un PV, mais bon, c'est pas. Je crois pas que c'est là-dedans que je vais. En tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on perd des PV alors. Qu'on gagne presque pas d'expérience, donc je préfère éviter les combats contre les Pokémon sauvages. Sauf quand je veux l'attraper en fait. Et voilà, il est KO. Normalement, on devrait pouvoir monter au niveau 12 bientôt. Pas ce, non, pas ce dresseur-ci, mais le prochain combat d'après moi, on va monter. Et voilà. Ah non, on est monté quand même niveau 12. Ah, je croyais qu'on allait pas monter tout de suite, mais bon, c'est bien. Ensuite, ah, je vais se passer par l'autre bord. Qu'est-ce qu'on a dans cette Pokéball? On a une corde de sortie. Qu'est-ce qu'il nous dit déjà lui? Bonjour, je cherche des fossiles secs.
Sous le mont Lune, c'est le mont Sélénite. Des fois, Brooke m'apporte, me donne un coup de pouce. Myriam aimerait se battre. Un mystère. Il y a un chétiflore. Mais bon, s'il y avait un avantage au mont Sélénite, c'est qu'on peut XP facilement nos Pokémon. Parce qu'il y a beaucoup de dresseurs. Le problème, c'est que c'est un peu dur de revenir au centre Pokémon. Donc c'est mieux de le faire une fois. Personnellement, je préfère le faire en une fois, le mont Sélénite, sans avoir besoin de revenir au centre Pokémon. Mais c'est dur, avec juste 3 Pokémon. D'habitude, je vais le faire une fois avec 6 Pokémon, mais ça me tente pas d'attraper tous ceux que je vois. Je préfère avoir une équipe équilibrée. Comme mettons en ce moment, on a un Pokémon oiseau et psy, combat et un feu et qui va être dragon bientôt. Il nous faudrait un Pokémon eau. Un Pokémon électrique, ça serait bien aussi. Et c'est pas mal ça, hein. Déjà, si on a ces deux-là, ce serait bien. Mais bon, électrique, il faudrait un Pikachu. Bah, pas forcément un Pikachu, mais j'aimerais bien un Pikachu en fait. Pokémon E, O, pour le moment, il n'y en a pas vraiment dans les environs. Hein. Faudrait avoir la canne à pêche. Je pensais avoir un Magikarp pour faire évoluer un Léviator, ça serait peut-être bien. Mais bon, on n'a pas encore la canne à pêche, ça me tente pas de payer 500$ pour avoir un Magikarp. Bien, niveau 13, niveau 13. Ouais, il est en train de mourir donc je vais mettre mon tout en dernière position. Et mon fer au singe en premier. Ah, fer au singe en premier, voilà. Oups. Et on a la TM 46. D'accord. Mais je sais pas trop c'est quoi, hein. Je les connais pas par cœur les TM. Bref. Qu'est-ce qu'on. Non, non, désolé. Ça m'intéresse pas de me battre contre toi. Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon? Josh voudrait se battre. Ah, un Pokémon normal. Eh bien. Un Zubat. Ouf. Je crois que je vais changer pour mon Repnicelle. Et ouais, je vais finir avec lui.
Voilà. Donc on va essayer de se dé... Oh non. On va essayer de se dépêcher de sortir de cette montagne, de cette grotte. Donc on va éviter les combats avec les Pokémon sauvages. Et s'il y en a une dressade de Pokémon Roche, donc ça devrait être correct. D'après moi, il y a des racailloux. Ou s'il y a juste un Pokémon. Non, il y a des racailloux. J'allais dire s'il y a juste un Pokémon, il y aurait eu un Onix, mais il y a trois Pokémon, donc c'est pas mal ça, il y a juste trois racailloux. Mais dans les deux cas, avec mon Pokémon combat, j'aurais été capable de le battre. De les battre. Enfin. Et voilà, niveau 14, c'est bien, Ferrosage. Ah, il y a un Onix. Eh bien, je m'attendais pas à ça. Si, oui, j'aimerais bien attraper un Onix aussi, si je pouvais en avoir un. En voir un, en fait. Mais bon, pour le moment, je sais pas si je peux en trouver dans le Mont Sélénite. Et on trouve une pierre lune. Un parasse, ouais. J'aime bien les parasses, mais pas les parasecs, donc non. Non, désolé. Ah. Je t'ai déjà dit que non. Pas la peine de me suivre. Un Pokémon normal encore. Attaque crêpe. Oh! 4 PV. Potion. J'ai utilisé une potion quand même. Eh bien, il fait mal lui. Sabelette. Je vais changer pour Charmeleon, pour Reptile celle-là. Faudrait que j'y pense à changer leur nom. Pas en surnom, mais juste en leur nom français. Mais je sais pas comment. Je crois que c'est ici que ça. Mais je sais pas. Faudrait que je regarde. Attendez, tant qu'on finisse le combat. Niveau 15, c'est bien. Ah, eh bien, ça va être Reptile. Je crois que c'est comme ça. Je fais une petite ellipse et je reviens. Je vais chercher quelque chose sur Internet. Mais je vais chercher comment ça s'écrit. Et re tout le monde. Donc, oui, Reptile, ça s'écrit bien comme ça. Reptile. Ensuite, notre tweet. On va l'appeler. Il s'appelle aussi tweet, mais on va l'appeler un tweet en minuscule comme ça. Et Ferrosage. Est-ce que ça accepte? Ouais, non, je vais pas mettre. Ferrosage, voilà. Donc, ça c'est fait.
On va se dépêcher d'aller chercher notre petit fossile. J'ai déjà réfléchi, je crois que je vais prendre le dôme. Le fossile dôme. Je sais pas pourquoi, parce que je le trouve plus beau peut-être. Mais je sais pas. J'ai dit que je voulais pas me battre. Arrêtez, essayez même pas. Bon, je crois ce que je vais faire, c'est je vais faire run. Et je vais mettre mon reptile en première position pour que la prochaine dresseur qu'elle affronte, ça soit rapide. Parce que j'ai hâte de sortir d'ici, moi, ça paraît pas. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire. Vous avez vu, j'ai fait une petite ellipse, hein, j'ai été voir combien de temps on était rendu, parce que j'avais déjà tourné la première partie, puis c'est la deuxième partie que je tourne. Enfin, ce qu'on va faire, c'est que je vais battre ce dresseur-là, et on va se quitter ensuite. Donc, on va avoir passé un épisode dans... Est-ce qu'on aura passé l'épisode complet dans le Mont Sélénite? Non. Non, je crois pas. Non, on n'a pas passé l'épisode complet, on a fait beaucoup de choses avant. Donc, ce que je vais faire, on va finir de battre ce dresseur, on va passer niveau 18, et notre étincelle va être niveau 18. Et voilà. Et je vais vous dire, la prochaine fois, on va sortir de ce mont Sélénite et on va se rendre à la prochaine ville. Et donc, j'ai aimé commenter. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Je vais faire beaucoup plus de vidéos de Pokémon dans ces temps-ci. Donc, je vous dis à bientôt. Et c'était Tania.